Bonjour à tous. Bonjour Steven. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Bonjour, bonjour. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on fait une petite vidéo sur l'automne. Pourquoi l'automne? Parce que disons que c'est beau. Très beau. Et c'est la saison, justement, où on pourrait comparer ça à la vieillesse. Tu vois, si tu filmes un peu les alentours, tu peux voir que les feuilles sont tombées. La plupart. Maintenant, si tu regardes encore, regarde ce bel arbre, monte un peu. Donc, ces feuilles sont encore là. Est-ce que ça veut dire que cet arbre-là est plus jeune que les autres? Bonne question. Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de feuilles, peut-être? Parce que si tu filmes un peu aux alentours, tu vas voir qu'il y a des arbres qui n'ont plus de feuilles du tout. Alors là, c'est des gens qui sont plus âgés. Là, on fait une métaphore dans la vie. Là. Regarde, lui, il a presque plus de branches. Peut-être parce que c'est... Ok, là, je dérape un peu, là. Go. Donc, tout ça pour dire que on va comparer justement l'automne avec la vieillesse. La vieillesse, c'est quoi? C'est quand la personne prend de l'âge et tout d'un coup, elle perd parfois quelques-unes de ses capacités vitales. Tu vois? Mais je... Quoi? Pourquoi tu ris? On commence à perdre ses capacités vitales à l'hiver. Oui. À l'automne, c'est plus des capacités esthétiques, disons. C'est comme tu as dit, par exemple, les cheveux qui grisonnent. Les cheveux blancs. Qui est un peu blanchissent, oui. Les rides qui apparaissent. Bien sûr, un peu mal aux os. Attends, est-ce que tu es en train de dire alors que l'hiver, c'est la mort, peut-être? L'hiver, la fin de l'hiver, c'est la mort, oui. Oh. On est, c'est quand qu'on est, nous? On est au printemps. Le début de notre vie, quand on est tout jeune, quand on court et on apprend à faire de la bicyclette, c'est le printemps. Et ensuite, on finit l'école. On est tout frais, tout fringant. Et on se marie, et c'est l'été. Et les fruits apparaissent, et sont bons. On peut faire des enfants, mais nous-mêmes, on grandit encore plus. Et quand nos enfants sont rendus un peu plus grands, c'est l'automne pour nous qui commence. Et oui, nos cheveux grisonnent, les rides apparaissent, et plus faibles nous sommes. Quelque chose? Vas-y. T'as une game sur toi. Mais c'est pas grave, on continue. Donc c'était très beau. Quoi dire dans le fond de plus? Moi je dirais qu'il faut, tu sais, de nos jours, surtout dans notre société de plus en plus matérialiste, on voit que la vieillesse parfois justement est vue comme quelque chose de laid, quelque chose qui fait peur, quelque chose qu'il faudrait cacher, couvrir. Tu vois? Alors que la vieillesse en réalité, moi je vois ça plutôt comme une manière de se rappeler qu'on va mourir. C'est justement un rappel pour nous, les vivants. Imaginez si on n'avait jamais les cheveux blancs qui apparaissaient, les rides un peu au coin des yeux, encore les douleurs, les mal de dos, tout ça. Alors, les gens oublieraient parfois, oui. C'est comme on dit, comme me dit souvent ma mère, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Souvent, nous, les jeunes, justement, on est insouciants. On ne pense pas que maintenant, par exemple, tout va bien, alhamdoulilah, dans notre corps, on va bien, on arrive à courir si on veut pendant longtemps, on peut parcourir de longues distances et tout, alors que la vieillesse parfois vient nous rappeler que « Oh, là, il faut que je prenne le temps de me reposer un peu plus. » Ou encore « Oh, je suis plus capable de faire telle chose. » Ou tu vois? Alors tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre conscience avant qu'on perde nos feuilles. Ouais. Exactement. Donc, de camoufler la vieillesse, c'est pas nécessairement une bonne chose, parce que c'est seulement se voiler le visage. Les rides qui apparaissent sont là pour nous rappeler, comme tu as dit, on va bientôt mourir. Et les cheveux blancs aussi. On n'arrache pas les cheveux blancs. Chaque cheveu blanc est un moyen de nous rappeler que c'est peut-être la fin. Ouais. Puis moi, je dis que si vous trouvez, vous entourez des bonnes personnes, vous n'allez pas avoir peur de vieillir. Tu sais, parfois, ce qui fait peur de vieillir, c'est justement parce que tu as l'impression que peut-être que tout d'un coup, les gens vont moins... Oui, il y a des gens qui vont moins t'aimer, je te l'accorde, les gens qui sont matérialistes, tu vois. Parce que si si tu te laisses vraiment dans ce chemin-là, les gens, il y a des gens qui vont essayer toujours de se cacher, de se couvrir, de... Alors qu'en réalité, c'est qu'est-ce que tu te voiles toi-même, parce qu'en réalité, c'est quelque chose par lequel, en tout cas, si tu meurs pas, tu vas devoir passer par là. Alors, à quoi bon se cacher pour finalement juste débouler les escaliers à la fin? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'essayer toujours de sauter, c'est comme si tu descends l'escalier roulant, mais tu essaies toujours de les monter, tu vois? Tu vas à contre-courant, dans le fond. Ouais. Alors qu'en réalité, laisse-toi descendre, mais sans
Tu vois ce que je veux dire? Je crois que tout le monde a compris ce que tu veux dire. Parfois, les mots sont clairs. Une image vaut mille mots. Une image vaut mille mots. Peut-être que tu as poigné quelques feuilles qui tombent des arbres. Ah, il y en a une qui tombe, Donc? Je crois que les gens ont compris, Aïcha. Moi aussi. Quoi dire de plus? Oui. La feuille qui tombe, le cheveu blanc, des rappels pour tous. C'est bon. Quand l'automne arrive, ça veut dire que l'hiver est proche. Et donc, c'est la fin.